D'être au rendez-vous de votre magazine Kiosque, envie de suivre l'actualité politique de l'ère en République démocratique du Congo. Plusieurs sujets vont constituer l'ossature de cette émission Kiosque. D'abord, ce nouvel appel du pape François pour la fin du massacre à l'est de la République démocratique du Congo au cours de la prière des Langlous dimanche dernier à la place Saint-Pierre. Le Saint-Père a appelé donc la communauté internationale et les autorités de la République démocratique du Congo à s'impliquer davantage pour le retour de la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires sur votre émission Kiosque. Et puis, nous allons revenir à l'Assemblée nationale avec ces dossiers des émoluments des députés nationaux qui enflent la toile et des réactions frises de partout pour contester les chiffres avancés par Vital Kamerhe qui est contraire à la loi des finances. Nous allons donc analyser également cette question, mais aussi et surtout la question de l'appendaire et forage où l'Assemblée nationale a donné le go pour le poursuite judiciaire contre Nicolas Kazadi, ministre, ancien ministre de finances en République démocratique du Congo. Au finish, nous allons aborder cette question de la mort de Blanche Tounassi qui a été enterrée hier au cimetière Nécropole entre ciel et terre, mais la question de sa mort est commentée presque partout dans l'étoile. Les gens s'attaquent même à la personne qui a perdu sa femme, qui est le pasteur Marcelo Tounassi. Pourquoi? Le pourquoi de cette réalité? Analyse et commentaire dans votre émission Kiosque. Comme invité, Gérard Lemba, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci beaucoup, Eddy, merci surtout pour l'invitation, à toi aussi. Pompon, j'ai dit en tout cas un grand bonjour, surtout un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent, à tous nos téléspectateurs. Donc voilà un peu donc l'entrée, je ne peux que vous remercier. À toute l'équipe de CCTV, nous vous disons en tout cas un grand, grand bonjour. Pompon Joly, salut. Salut, cher Eddy. Merci pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur Gérard Lema. Et nous prions que cet échange soit vraiment un échange pédagogique pour servir notre population. Exactement. C'est surtout ça. Gérard Lema, je commence par vous. Face à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, le pape François appelle au retour de la paix, la fin des massacres. Il a en outre appelé la communauté internationale et les autorités de la République démocratique du Congo de s'impliquer davantage pour qu'il y ait la paix, rien que la paix. Votre analyse. Merci beaucoup, Eddy, pour la question. Je crois, si ma mémoire est bonne, il y a 3 ou 4 ans que nous avons reçu les chefs de l'État ici, avec pompe, pour vous rappeler, c'était à l'esplanade de la piste de Ndolo, je crois. Le pape. Le pape, oui. Le pape, j'allais dire. Par rapport à ces énièmes appels, en tout cas, sincèrement, ça ne me surprend pas, dans le sens que je me rappelle quand il était ici, il y a 3 ou 4 ans passés, il a une phrase qu'il a employée pour dire que retirez vos mains de la RDC. Oui. Hein, je ne sais pas si vous gardez encore ça à l'esprit. Retirez vos mains. Hein. Il parlait de l'exploitation illicite de nos minéraux par des agresseurs. Retirez vos mains. Et que 2 ou 3 ans plus tard, il peut réitérer cet appel. Je me dis, quelque part, un peu, il y a une complicité aussi de sa part. C'est une autorité ecclésiastique. L'appel qu'il a fait, depuis lors, quel en était le suivi, hein, avec toute la considération qu'il bénéficie, l'estime, et aujourd'hui, s'il peut répéter la même chose pour avoir aucun résultat, alors que la RDC continue à enregistrer des morts, à enregistrer presque abandonné, alors que toute la communauté internationale joue un double jeu, y compris peut-être l'Église romaine catholique. Sincèrement, en tout cas, moi, ça ne,
ça ne m'inspire pas un sujet de confiance. Quand il dit que un dernier appel pour la paix au Kosovo, tant qu'on n'a pas encore eu des sanctions, comme ça s'est fait partout ailleurs, nous avons l'Organisation des Nations Unies, nous avons des cours et tribunaux internationaux qui pourraient peut-être d'une manière ou d'une autre réagir en notre faveur, et que jusque-là, on n'a pas encore enregistré un seul fait, un seul acte attestant que réellement la RDC est victime de cette injustice, si ce n'est que des bonnes déclarations. En tout cas, cet dernier appel, en tout cas, ça ne me surprend pas. Donc, je ne partage pas un peu cette complicité. Invité par le président de la République démocratique du Congo, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous l'avez invité lors d'une visite pastorale. Le pape a dit sans embâge, la République démocratique du Congo n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Vous ne voyez pas que, quelque part, le pape a les soucis de ce pays qui est menacé par l'agression, contrairement à ce que vous dites. Vous ne voyez pas que c'est une façon de pousser la communauté internationale, qui du reste sont d'ailleurs complices de cet acte, de mettre fin à ce système qui bat son plein à la partie est de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que ce n'est pas une complicité, il est fait parce qu'il a l'amour de la République démocratique du Congo. Quand je parle de la complicité, je ne le vois pas comme état acteur. Oui. Je le vois, je le vois pas comme état plutôt auteur, oui. Mais je le vois plus comme état acteur. Quand on parle de la communauté internationale, il n'y a pas que les États. On nous parle des entreprises, comment, des multinationales. Mais je crois que le statut qu'il occupe le pape mériterait, hein, s'il faut le dire ainsi, dans les suivis, qu'on ait les résultats. Les soucis ne suffisent pas. Oui. Les soucis ne suffisent pas. C'est là où que je place, je pèse les mots de la complicité. Les soucis ne suffisent pas. S'il faut peut-être, je ne suis pas international, s'il faut peut-être vérifier partout ailleurs où il y a eu des foyers de guerre, est-ce que la réaction de papa était toujours dans les simples déclarations, comme ça se fait chez nous? Vous voulez qu'il fasse croire en lieu et place, parce que le pape prend la non-violence, vous voulez qu'il puisse mener la guerre contre les agresseurs de la République démocratique du Congo? Pour toute information, il dit, pour ceux qui savent un peu, bien que je ne sois pas internationaliste, le pape, à l'époque, je crois que ça doit être Jean-Paul II, oui, avait beaucoup joué, parce que le pape, il faut lui dire, si ce n'est qu'une institution, le pape, ce n'est pas l'individu. Oui. Donc, le pape, à l'époque, avait beaucoup joué pour qu'il y ait la démolition de mur de Berlin. À l'époque, on parlait de deux blocs, bloc communiste et bloc capitaliste. Oui. Et c'était le pape qui a joué pour aller voir, je crois, c'était à l'époque, c'est pas Brejnev, du côté de l'URSS, ça doit être... un des présidents de l'URSS, et il est allé voir presque tous les présidents des pays occidentaux, et le résultat était là. C'était par la voie diplomatique. Exactement, oui. Exactement. C'est pour dire que les papes ne s'étaient pas limités aux déclarations, hein, pour faire tomber ces murs-là qui a divisé le monde en deux blocs. Et le pape a joué comme étant un grand acteur. C'est ça peut-être mon problème. Revenons à la RDC. Nous voulons pas cette manière de nous maquiller un peu, de déguiser un peu, alors qu'il pouvait faire mieux, il pouvait passer à l'acte, hein, avec la même diplomatie. Mais voilà qu'aujourd'hui à la RDC, nous nous limitons rien que par des déclarations. C'est là que je parle quelque part. Ah, c'est une autorité ecclésiastique. Oui. Je ne le dis pas par... quand il n'y a pas des actes, quand il n'y a pas de suivi, il y a 3-4 ans, parce qu'on l'a peut dire, retirez-vous de vos mains. Qui devait retirer? Donc, quelque part, il doit être aussi informé. Le pape n'est pas n'importe qui dans ce monde-ci. Très bien. Quand nous voyons tous les présidents du monde entier aller se cliner devant lui, c'est-à-dire qu'il est aussi la personne la mieux informée. C'est lui qui devait retirer les mains à la RDC. L'ont-ils fait pour qu'aujourd'hui nous ayons encore une 7e déclaration? Popon Joly, le fait pour le pape François d'évoquer avec fermeté, hein, la nouvelle forme du colonialisme dont est victime l'Afrique en général, mais également
la République démocratique du Congo en particulier, en stigmatisant un colonialisme asservissant, faudra-t-il admettre que le pape est complice, comme l'a dit Gérald? Non, le pape n'est pas complice. Il faudrait dissocier. L'Église, ce n'est pas la politique. Même Jésus l'a dit. C'est-à-dire qu'il faut laisser à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'Église, c'est la sanction de l'Église, c'est une sanction morale. Donc le pape s'inscrit dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il est en train d'interpeller. Il n'est pas la justice congolaise, il n'est pas les FARDC. Lui, il est en train de voir la chose et d'interpeller. Il se limite là, c'est ça le rôle d'un pape. Et puis, vous savez, la société, il faudrait l'analyser avec le temps, avec l'évolution. Vers l'année 88, avec la chute des murs de Berlin, ce n'est pas la même société d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est-à-dire là, après la chute de Berlin, il y a eu compénétration qui a permis à la société ou qui a changé les paradigmes où hier, avant 1988, c'est l'État qui traitait directement État à État. Après la chute de Berlin, il y a eu compénétration, il y a eu la présence d'autres acteurs, oui. Nous appelons le holding, le conglomérat, des sociétés des multinationales plutôt. Ce sont eux qui font la loi aujourd'hui, à Paul, ainsi de suite. Donc, si l'Église catholique a permis à l'Allemagne de se conglomérer entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, aujourd'hui, ce n'est pas la même logique, ce n'est pas la même société. Mais lorsque vous dites que la vraie religion, c'est une religion qui est en dehors de toute politique, vous ne voyez pas que en lieu et place de parler, le pape devait tout simplement se taire. Parce que le rôle de l'Église, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle et chercher les âmes perdues. Mais lorsque les papes se mêlent à la politique pour faire des déclarations allant de l'essence du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, vous ne voyez pas qu'il a fallu qu'il puisse simplement rejeter en moule. Je n'ai pas parlé de la vraie politique. Religion, j'ai parlé de la religion. Oui. Et puis lorsque vous dites que non, l'Église, donc, l'Église doit être... Faudra-t-il admettre que l'Église catholique n'est pas une vraie religion? Non, moi, ou simplement une religion. Je vais pas parler de la vraie religion. Oui. Là, je suis en train, si vous m'amenez dans ce terrain, c'est comme si je suis en train d'empiéter les dispositifs de notre constitution, l'esprit de notre constitution, oui. Surtout que nous sommes un État laïque. Laïque. Donc, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure religion. Certes, je suis catholique. Je parle. Vous avez dit, le pape, en étant pasteur, oui. il doit prêcher comme une église au milieu du village. Mais l'église prêche qui? L'église prêche l'homme, l'être humain. C'est l'être humain qui est le pissantre de tout, qui est au centre de l'action d'une société, du cosmos, oui. Ce que Dieu a créé. C'est-à-dire que ces pasteurs-là qui prêchent, ils peuvent lire les body language, comme on dit en anglais, que non, mon peuple est en train de souffrir. Il faudrait voir ce que, dans cette homélie, qu'est-ce que le pape a dit. Il a dit non, c'est assez. Le peuple a tant souffert, le peuple de l'Est. Il a interpellé. Ça, c'est encore quelque chose de grandiose, qu'est-ce que c'est qu'il a dit. Vous savez, dans tout ce que nous faisons dans la vie, même un médecin, lorsqu'il traite un malade, la première des choses, le premier exercice qu'un médecin fait, c'est l'amnèse. C'est-à-dire, il doit parler avec les malades. Oui. Si les malades agonisent, il parle avec la personne qui accompagne les malades. C'est-à-dire, cet échange permet au médecin d'identifier les problèmes pour apporter une remède. Oui. C'est pareil avec toute formule scientifique. En sciences politiques, il y a d'abord l'identification des problèmes. Vous identifiez les problèmes, vous estampillez les problèmes, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, ce que le pape a fait, moi je pense que c'est une interpellation encore qui va permettre à nos services de les prendre pour mettre fin à cette guerre qui a tant duré. Très bien. Parce que l'Église catholique n'a pas d'armée. L'armée de l'Église catholique, c'est la Bible. Donc, vous demandez au pape de prendre Jean, Pierre, Luc pour mettre ça à l'Est, en fait, pour faire taire les armes. Non, lui, il a fait son travail. Moi, en tant que le numéro un sur le plan spirituel, je ne peux jamais cautionner qu'une partie de cette société puisse souffrir pendant une belle irette et rester bouche bée. Non. Vous savez, lorsque il y a des massacres et vous ne parlez pas, vous êtes complice. Donc le pape, avec cette posture, il voulait juste dire à la face du monde,
que je ne suis pas complice. Ce que je vois, je dis non, il faudrait aider la RDC à finir avec ce théâtre-là de guerre. Voilà, moi je pense que c'est ça. Si vous permettez, j'allais peut-être ajouter, si nous pouvons peut-être considérer à l'interne, c'est-à-dire que je prends le contexte de la RDC, comment les pasteurs du manière générale se comportent par rapport à la politique? Est-ce que pouvons-nous affirmer ici que nos pasteurs sont apolitiques? Pas du tout. Vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'il y a l'esprit de la Constitution, mais devant nous, il y a la réalité. Je reviens un peu à ce qu'a dit Pompon, là où je ne partage pas. Je profite peut-être de l'occasion pour présenter mes condoléances à toute l'Église, ce qu'on appelle généralement les églises des messages, dont je fais partie, oui. au pasteur Barouti Kassongo. Non, Ewald Frank, je commence par Ewald Frank, pour ceux qui ne savent pas, lui c'est un Allemand, et c'est par Ewald Frank que pasteur Barouti, pasteur Dioka l'a même reconnu, comme tant d'autres, hein, je crois même Kassambana, il a même témoigné, que c'est par lui qu'ils ont eu le message de Frère Branham. Donc c'est lui-là qui a fait au moins plus de 10 ans avec lui. Mais qui a contredit en même temps ces messages. Bon, je n'entre pas dans les obédiences, hein, je n'entre pas. C'est justement pour dire que j'ai lu pas mal de ces publications, parlant d'Israël, parlant de Gaza, parlant... Alors, tout ça, ça me réconforte pour dire qu'effectivement, le pape reste un grand acteur de la communauté internationale. Pour arrêter ou commencer certaines guerres dans certains coins du monde, je crois Vatican est pour beaucoup. Hein? Je ne veux pas aussi mâcher les mots, je ne veux pas être hypocrite. Oui. Hein? C'est que j'ai eu à pénétrer dans les ouvrages de Frère Franck, j'ai compris que ce n'est pas pour autant que j'ai relevé les cas de Mir de Berlin où on parlait. C'était la politique. Et l'intervention ou l'implication personnelle du pape a donné ces résultats-là. Donc, je ne veux pas peut-être entrer dans la dimension prophétique de tout ça, parce que ça est tout ce qu'il dit. Mais au moins, le pape, quand il peut répéter, lancer ces derniers appels-là, je ne peux que rappeler à l'opinion que c'est par lui que nous avons entendu retirer vos mains de la RDC. Donc, mais aujourd'hui, Gérard Rémy, un regard, je dirais même, rétrospectif hein, sur l'histoire de la République démocratique du Congo, démontre aujourd'hui à suffisance que les régimes politiques qui se sont succédés au pouvoir de Kigali ont tous, sans exception, manifesté à un moment ou à un autre des velléités d'étendre les frontières rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré l'appel du pape François, pensez-vous que cette réalité va se mettre fin comme ça? Non. L'appel du pape, je ne crois pas que ça aura un effet à l'Est tant que ça devient un peu d'une manière répétitive. Hein? Certes, si le Rwanda ou les différents pouvoirs, comme vous l'avez dit, ont cette tendance, cette propension hein, à envahir la RDC pour des causes de terre et conso d'espace. Je partage, mais l'Occident aussi est derrière ça. Hein. S'il ne le fait pas d'une manière ouverte, au moins, l'Occident ou peut-être la communauté internationale est derrière cette logique-là. Hein. Tout ce que nous avons lancé comme cri, nous avons vu les chefs de l'État sillonner presque le monde entier pour cette guerre, et qu'aujourd'hui, ce que nous réalisons, vous vous rappelez encore dernièrement, l'Union européenne venait de signer un MOU avec Kigali. Oui. Hein? Vous savez, c'était si vous pouvez utiliser le terme, c'était une provocation. Un pays qui n'a pas de minerais, et puis vous venez signer un accord avec lui. Simplement vous dire que vous avez notre quitus, vous avez notre approbation. Allez continuer votre sale besogne au niveau de la RDC et nous allons acheter. C'est ça, donc on le regrette. Mais l'histoire nous apprend encore que la colonisation, la manière dont les colonisateurs ont exploité la RDC, ils ont utilisé l'Église en avant.
quand les prêtres, les explorateurs, bien sûr, pas les explorateurs, les missionnaires, oui, quand ils insistaient que heureux les pauvres et puis ils vont hériter le royaume des cieux, c'était pour leur dire que non, laissez-nous prendre tout ce qui est à vous ici, donc ne vous inquiétez pas. Donc, mais dans les cieux, c'était une manière de les affaiblir. Ils ont utilisé l'église, oui. Et je peux confirmer aujourd'hui par rapport à l'évangile, à la Bible que je crois, que la même méthode continue. La même méthode continue, même si on le fait un peu savamment, on cherche à les présenter un peu d'une manière un peu propre, hein, sans trace, il faut le dire. Mais en tout cas, la même méthodologie continue. Mais vous ne voyez pas que cela remet sur la question, sur la sellette, la question de la remise en question de la Bible, quand vous dites ça? Oh, bon, moi je suis, Dieu m'a fait grâce d'être un croyant de la Bible. Hein? Oui. C'est-à-dire que je ne crois pas ce que dit la religion. Le salut de Dieu a un nom qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et c'est lui qui a dit, je suis la vérité, c'est lui qui a dit, venez à moi. Pour avoir expérimenté le salut, je peux dire que je ne crois pas à tout ce que l'Église dit. Parce que l'Église, en réalité... Voyez la révélation. Non. Ce que les Églises disent, d'une manière que la religion dit là, en réalité, c'est toujours en contradiction avec ce que le Seigneur a dit. C'est Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi. Sans se rendre compte, le monde entier est allé dans leurs églises respectives. C'est ainsi que vous verrez que quand quelqu'un parle, facilement on peut savoir, déceler que celui-ci est catholique, que l'autre est kimbanguiste. Mais qui parle comme Jésus-Christ a dit? C'est lui qui croit en moi, comme disent les Écritures. Qui peut répéter la phrase de Jésus comment les versets de la Bible encore aujourd'hui? Si ce n'est que la prospérité, si ce n'est que les mariages, si ce n'est que les voyages, vous voyez un peu. Donc, en réalité, Dieu n'est pas dans nos religions. Dieu est dans sa parole et sa parole a été faite tirée par la personne de Jésus-Christ. Très bien. Papa Njoli, face à l'appel du pape François, faudrait-il admettre que l'État aujourd'hui, en tant qu'unité active, est ici interpellé? Il doit prendre en compte les différentiels de menaces qui s'actualisent à son sein. Par là, vous ne voyez pas que la finalité de l'État aujourd'hui doit résider nécessairement par l'élimination de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire cette maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Cher Eddy, il y a un adage congolais qui dit « Sogumoni ndoki ». Belela. Vous savez, en sciences politiques, on dit « l'histoire d'hier, c'est la politique d'aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique des demain ». En fait, lorsque le pape interpelle la communauté internationale, ce n'est pas du nouveau. C'est-à-dire, le monde est... moi, je ne sais pas, le monde, apparemment, le monde ne change pas. Il n'y a que des petites réalités. Avant la colonisation, il y a eu un partenariat entre les RDC via les rois, je crois, Lorenzo D, avec la Portugal. Et les colonialistes, quand ils étaient ici, il y avait une loi dont le Congolais devrait donner une quantité de caoutchouc. Si tu n'arrives pas à réaliser cette demande-là, je risque d'être amputé. Oui. N'est-ce pas? Même pas amputé, risque. C'était. Donc, ça dit, le roi a vu toutes ces bavilles. Il a dit à la communauté internationale que ça doit cesser. C'est un Congolais Mukongo. Ça doit cesser parce que mon peuple est en train de mourir à cause de vous, les Blancs. D'ailleurs, je dois résilier les partenariats commerciaux entre ces deux pays. Et ça a été fait. Et s'il y a eu frein à ces massacres, c'est à cause de ces genres de dits. Oui. Parce qu'il y a eu des tollés de partout, la RDC est en train de souffrir, jusqu'à ce que la communauté internationale a senti que non, il y a une pression, on doit cesser avec cette politique-là de tuer les gens pour avoir la richesse. Oui. Donc ce que le pape est en train de dire, de faire, c'est les mêmes paradigmes qu'hier la communauté a utilisé. Maintenant, c'est à nous de s'approprier de ça. Nous, c'est qui? C'est la RDC. C'est vrai, l'Église fait la politique, mais c'est une politique passive. Mais la politique active, ce sont des acteurs politiciens, oui, des opérateurs politiques, exact, avérés. C'est-à-dire que là, il y a maintenant une définition littéraire qui dit la politique, c'est la gestion des choses publiques de l'État, la res publica. L'Église, ce n'est pas res publica. Le pape fait seulement des révélations. Voilà, ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas intéressant.
Mais c'est à nous maintenant, on a une justice, on a un ministère de la Défense. Pourquoi on a créé ce ministère-là? D'ailleurs, c'est un ministère régalien de l'État. Le ministère a été créé pour sécuriser les personnes et leurs biens, ainsi que l'intégrité territoriale. C'est pour cela qu'on a des militaires. C'est à nous de s'approprier. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait éviter de charger l'Église catholique. L'Église catholique, ou l'Église en général, prêche la bonne nouvelle. Mais qui est au centre de cette bonne nouvelle, qui reçoit cette bonne nouvelle? C'est le peuple. Et ce peuple-là est l'acteur principal de l'action publique de l'État. Pourquoi? Les peuples jouent beaucoup de rôles. D'ailleurs, il y a des rôles principaux que les peuples jouent, aux principaux. Le premier rôle, c'est quoi? Le peuple donne à l'État les animateurs. Le peuple revient encore pour donner à l'État les moyens de sa politique via l'impôt et les taxes. C'est-à-dire, sans le peuple, l'État ne peut pas exister. Oui. Parce que l'État, en réalité, c'est un cadre qui n'a pas de moyens. L'État crée des moyens via les impôts et les entreprises publiques, des portefeuilles. Et qui donne l'État, les animateurs, pour qu'on ait aujourd'hui Tshisekedi comme président? C'est vous et moi qui a donné à l'RDC Tshisekedi, n'est-ce pas? Pour avoir les cours des tribunaux, pour avoir les députés, ainsi de suite. Et le peuple revient encore pour dire, ok, d'accord, j'ai donné les animateurs, voilà maintenant 18 milliards dont l'État avait comme besoin par rapport au programme des ministres. Donc c'est ça. Il faudrait comprendre, le fonctionnement de l'État, c'est un tout, dont il faudrait comprendre comment est régenté ce tout-là. C'est comme en anglais on dit, le meeting pot, c'est-à-dire l'ensemble des plusieurs... Mais devant ce tout-là, vous ne voyez pas qu'il y a également des représentants que les peuples ont mis pour résoudre leurs problèmes, mais ce n'est pas le cas pour la République démocratique. Mais c'est au peuple maintenant, c'est au peuple maintenant de jouer son rôle en tant que l'acteur principal. Là, déjà, nous sommes dans un cadre que nous appelons la RDC. L'article 5 de la Constitution parle du pouvoir. Le peuple est l'émanation des pouvoirs. Tout pouvoir émane du peuple. Comme le pouvoir émane du peuple, le peuple doit faire un bon contrôle citoyen, n'est-ce pas? C'est ça l'erreur des peuples. Parce qu'il y a les budgets. Nous avons 18 milliards. L'armée aujourd'hui a la loi de programmation militaire 1,5 milliard, 10% du budget. Qu'est-ce qui fait que cette guerre ne puisse pas... qu'est-ce qui fait que la RDC ne puisse pas finir cette guerre-là, tandis qu'on a des moyens? Il y a des réformes. Mais vous oubliez que la guerre est purement économique, mais également hégémonique. Non, la guerre a plusieurs facettes. La guerre n'est pas seulement économique. Elle est culturelle, elle est économique, elle est spirituelle. Je suis aussi elle là. Elle est, elle n'est pas seulement J'ai entendu beaucoup de sujets ici. Voilà un peu, donc, merci. Non, on ne doit pas s'éterniser. On change de registre pour parler cette fois-ci de cette question des émoluments des députés avec la déclaration de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui au cours de la clôture de la session a y abordé cette question. Mais il y a vraiment des écarts significatifs entre les déclarations de Vital Kamerhe et les réalités budgétaires. Gérard Léman, votre analyse. Merci Eddy pour la question. Ici, je dois premièrement commencer à saluer le courage de Vital Kamerhe. Président Vital Kamerhe. Oui. C'est une question qui est beau. Tous ses prédécesseurs n'ont pas pu aborder. Hein, parce que je trouve que la question était tellement brillante que ça risque d'offusquer l'opinion et de très mal retourner contre la classe politique. Surtout que c'est la représentation nationale. Ce n'est pas en vain. Donc, quand Kamerhe prend tout son courage à main pour donner la hauteur des émoluments et devant la première ministre, qui lui a même, puisque moi je n'ai pas le commissaire témoin qu'il est, il lui a même annoncé que le Parlement ne viendra jamais, ou l'Assemblée nationale ne viendra jamais faire une demande d'augmentation des salaires des députés. Donc c'est quand même un courage à saluer. Oui. Et puis il met en garde encore tous les ONG qui évoluent un peu dans le sens de la transparence, c'est pas de tout ce qui est données publiques et consorts, pour leur dire que l'Assemblée nationale nous a même informé que l'Assemblée a eu même à écrire, à adresser une correspondance à cette organisation non gouvernementale. Et que l'Assemblée nationale reste ouverte pour venir un peu vérifier, s'il faut le dire ainsi, auditer toutes les comptabilités à la place de passer aux déclarations en réalité
qui ne font que diaboliser inutilement les députés nationaux. Mais là où je profite peut-être pour dire, c'est aussi nous la presse. La presse aussi a une grande part dans cette... je peux peut-être comprendre pour beaucoup aujourd'hui, peut-être ils ne réalisent pas les faits ou l'impact de l'information à la société, ou n'importe qui peut parler des 33 000 dollars, on en a entendu, on a vu partout ailleurs. D'abord 21 000 et puis 33 000. Je suis à l'Assemblée nationale, j'ai entendu le président Njoli, je ne sais même pas si, puisque Pompon aussi, j'ai entendu qu'il s'appelle aussi Njoli. Les rapporteurs. Les rapporteurs. Oui. Njoli, à l'époque, qui était le président de la commission pour la rédaction du règlement d'ordre d'intérêt. Oui. L'Assemblée n'a jamais entendu parler. Mais là où ça dérange, c'est quoi? Quand nous voyons un peu nos consoeurs, quand nous voyons un peu nos confrères, à qui nous avons beaucoup d'estime jusqu'à aujourd'hui, ils répètent la même bêtise pour dire que les députés reçoivent 33 000 dollars. On s'est dit, si les journalistes commencent à son tour à inventer l'information, c'est fini un peu. Donc, le métier est presque bazardé. On peut comprendre, moi je peux comprendre, c'est pas pour rien que je me fie plus à tout ce que le confrère écrit dans les sites et consorts. Bon, moi-même, je suis de la symbolique. Mais les juges pèsent ce qu'il dit. Oui. Il pèse par rapport à la déontologie, par rapport à sa formation, par rapport à son expérience. Il connaît les faits de l'information. Où est-ce que vous tirez cette histoire de dire 33 000 dollars? Mais pourquoi ne pas dire peut-être 50 000 dollars? En réalité, ce n'est qu'une jalousie. En réalité, ce n'est qu'une manière de diaboliser nos élus inutilement. Et Caméra a pris son courage en main. Ici, je fais une révélation. Qui a eu à diaboliser? Non, c'est-à-dire que Mina peut passer par là, la même question. Oui. Il n'a pas pu répondre. Mabounde est passé par là, il n'a pas pu. Mbosso n'a pas pu répondre à cette question. D'ailleurs, c'est une question qu'ils évitent. Je crois, je me rappelle bien que Minako, comme Mabunda, par Thierry Kambounde, un confrère, qui lui a posé ses couleurs. Mais et Martin Fayulu, lorsqu'il a eu autrefois à monter au créneau. Exactement, il a évoqué ces montants de 21 000 dollars. Mais il a fallu des gens pour lui contredire. J'étais de ceux qui soutenaient Martin Fayulu quand il a dévoilé les montants ou la hauteur de 21 000 dollars. Il dit. Je crois que c'est en 2011-2012, j'étais à la RLTV. Et ici, je dois peut-être citer ça. Par Martin Fayulu, à l'époque, il était député national. J'ai appris que le député national recevait 7 250 dollars. À l'époque. À l'époque. Oui. Où Fayulu était. Je lui ai posé cette question à la RLTV de Roger Lombard. À l'époque, on était encore avec Eliezer Honorable aujourd'hui. C'est par Martin, je cite le nom, c'est par Martin Fayulu que j'ai appris qu'un député national gagnait 7 250 dollars. Mais après mes recherches, je suis allé découvrir que, à part les 7 250, il y a ce qu'on appelle les invisibles. Oui. Et ces invisibles-là viennent souvent en deux tranches. Et avec le temps, j'ai compris, quand Fayulu plus tard va faire la déclaration qu'un député national recevait 21 000 dollars, je me suis dit, voilà les vrais montants. Les quelques députés qui se sont hasardés pour contester la déclaration de Fayulu, parce que ça a énervé beaucoup des élus. Et pendant la campagne, ils étaient obligés de revenir à la raison. Pourquoi? Parce que Fayulu avait aussi des députés nationaux là-bas. Donc Fayulu n'est pas n'importe qui. Quand il donne une telle information, et Fayulu à l'époque, il venait de perdre, je crois, sa suppléante qui était déjà validée comme députée, Charlotte, à l'époque, où la deuxième suppléante devait remplacer, ou le deuxième suppléant devait remplacer. De ce qui veut dire qu'au nom de la sécurité ou du respect de la discipline au sein du parti, Fayulu avait cette information-là, que nos députés nationaux recevaient bel et bien 21 000 dollars. Mais seulement, comment ils se sont organisés? Il y a une partie qui venait par la banque centrale, par leur banque, leur compte. Oui. Et puis l'autre venait, c'est pas par qu'on appelle généralement les Maboko Bank. Oui. Ce qui fait que la somme, même. Le FF aussi existe. Non, le FF c'est autre chose. Le frais de fonctionnement de l'institution, c'est autre qui n'a rien à voir avec, avec les émoluments. Donc c'est pour dire que, pour preuve, tous les députés, je répète ici, tous les députés qui ont eu à contester. Le montant de Gouma. Mais Gérard Lema. Ils ont fini par reconnaître effectivement que c'était. Mais voilà que nous retournons avec ce que Caméra. Oui. Le Vital Caméra a eu à dévoiler.
14 millions de francs congolais. Je crois que c'est tout en annonçant qu'il n'y aura pas une demande d'augmentation. Ici, je peux dire que non seulement je salue seulement le courage, mais on finira par juger la véracité de la déclaration de Kamer dans les temps. C'est dans les temps. Mais là où les bas blessent aujourd'hui, c'est du fait que les chiffres avancés par Vital Kamerhe sont donc bien inférieurs au montant réel prévu par la loi des finances et les calculer également selon les taux budgétaires. Il y a Anguille Souroche. Non, il n'y a pas Anguille Souroche. Comme vous dites que ce n'est pas réel par rapport à la loi des finances et consorts, c'est-à-dire que c'est quoi? Dans la loi de finances, qu'est-ce qu'on a donné comme... il y a un montant bien fixé, oui, bien sûr, que je ne peux pas vous dire. Vous le savez, attendez. Non. Il y a des responsables qui nous suivent ici. Oui. Nous pouvons nous suivre et nous devons être sincères et conséquents nous-mêmes. Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui. C'est lui le porte-parole de l'institution. Quand il donne le montant 14 millions et que vous voulez contredire, il faut donner les vôtres. Comme ça, on saura que nos députés nationaux reçoivent bel et bien 33 000 dollars. Pourquoi les ONG n'ont pas d'argument? Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une chaîne de dépenses dans ces pays ici. Il y a le ministère des Finances, il y a le ministère du Budget, il y a la Banque Centrale. Vous pensez que tous ces gens-là, personne ne peut prendre courage pour donner l'information d'une manière même voilée à l'opinion. Donc c'est pour dire que Kamerhe a pris son courage. Ça, c'est peut-être le style Kamerhe, la touche Kamerhe des... d'affronter les problèmes, de prendre le taureau par les cornes, il a annoncé. Alors, quiconque va contredire la taille des émoluments, qu'il donne le prix et puis surtout la source. Surtout ça, la source. C'est comme si que moi, je ne veux pas être le défenseur de l'institution, je ne suis pas chargé pour ça, mais seulement que j'insiste. Si le président Kamerhe dit de nous suivre, nous allons plus, en tout cas ce qui me concerne, plus le juger dans les temps. C'est plus facile. La législature, c'est pour 5 ans. Hein? Oui. Les juges ont aussi leur manière de faire des enquêtes. On va juger le président Kamerhe avec sa déclaration. Ah, là, vous faites l'apologie de Kamerhe. Bon, il est là, il vous attend. Popon Joly, je reviens à vous. L'affirmation de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, suscite aujourd'hui une vive controverse, car elle semble s'éloigner considérablement de la réalité budgétaire. Vous, en tant que quelqu'un qui a survécu durant beaucoup d'années à l'Assemblée nationale, comment interprétez-vous ces problèmes? J'aurais dit, c'était une petite déception d'abord. Vous savez, de la part des VK. Si vous regardez dans mon compte X, j'ai tweeté pour son avènement à la tête de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale, le moment ultime de l'Assemblée nationale, c'est les débats. Oui. Et l'organe suprême de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée plénière. Et vous êtes d'accord avec moi, on n'a pas senti ça avec les quatre plénières tenues présidées par VK. Il a donné des petits signaux de dictature. Je ne dirais pas autocratique, mais un peu rationnel. Oui. Et la dernière plénière, la plénière de la fermeture, VK, on devrait écouter un débat lors de la loi sur l'habilitation. Oui. Dont on a vécu avec les papas Mbosso. Mais VK a utilisé son marteau de pouvoir pour dire non, on n'a pas besoin de ces débats, on doit faire passer cette loi. Ça, c'est quand même quelque chose que je n'ai pas aimé. Oui. Or, l'Assemblée nationale, c'est les débats. Choc d'idées, Jaïl a dit, mais le peuple a besoin de ça. Parlons des émoluments. Certes, l'Assemblée nationale... Il y a un président qui ici, c'est quatre plénières. Hein? Oui, attendons-lui peut-être dans la prochaine plénière. Les débits déterminent la fin. Oui. VK parle deux émoluments. Sachant que l'Assemblée nationale, c'est une autorité budgétaire. Et cette Assemblée nationale a une dotation propre. Et vous savez, chaque année, lors d'une session ordinaire de mars, la deuxième semaine après le 15, il y a l'audit des députés sur le plan, sur les finances de l'Assemblée nationale. Oui. Et cette plénière est à huis clos.
Souvent. Non, pas souvent. C'est réglementaire. C'est dans les règlements intérieurs. Oui. C'est une plénière à huis clos. Les points là sont débattus à huis clos. Le journaliste et les caméras, tout dehors. Il y a que les 500 députés qui restent. Et les administratifs. Dites-moi. Oui. Avec cette réalité où l'information est verrouillée, peut-on dire que l'information des VK serait vraie ou de notre vieux Fayoul? Donc, nous sommes dans les suspens. Nous sommes dans les suspens. Mais dis-moi, il y a quand même une loi où on a été, une loi de finances. On doit peut-être nous aider à lire cette loi-là et regarder dans les Mais Popo Njoli, vous ne voyez pas que les paroles de Vital Kamerhe reflètent aussi des bonnes intentions, mais pour les concrétiser, il faut un collectif budgétaire pour ça. Non, non, quelle bonne intention. Papa, ce qui est dans l'édition de Jombobé là, dit Mélé. Qui nous a dit que le député toucherait 21 000 dollars. N'est-ce pas, était un député? Oui. Et puis après, il y a une commission pour établir sur cette question. Comment vous pouvez dire à la face du monde que non, les députés toucheraient 21 000 dollars? On a auditionné les députés de Louisa qui encore... Denis César. Il a dit tout, ok. Non, oui, moi j'ai des impôts de preuves. Voilà, il y a 14 millions, d'où on touche comme un salaire normal. Il y a. Si vous compilez les tout, on arrive à 21 000 euros. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que moi, je ne dirais pas que non, cette information s'avère vraie. Mais la question que moi, je me pose, si l'Assemblée nationale est-elle une représentation nationale, oui, elles doivent nous laisser assister à l'audit financier de cette Assemblée chaque mois de mars. On est allé au place de nous laisser dehors, pour nous laisser avec des zones d'ombre comme ça, parce qu'il y a un débat aujourd'hui. Personne ne peut dire oui, les députés touchent 21 000 dollars. Non. C'est-à-dire que déjà avec le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ça laisse des doutes pour dire que cette thèse s'avère vraie. Mais je ne pourrais pas dire aujourd'hui à la face du monde en étant que, parce que je foule mes pieds là-bas pour dire que non, l'Assemblée nationale, les députés touchent 21 000 dollars. Très bien. Avec le fonctionnement, avec des signaux, vous aurez le temps de parler. Je dis que cette information s'avère vraie. Très bien. S'avère vraie. Et puis, Gérard Lema, s'il vous plaît. Vous avez suivi, Pompon Joly. Vous ne voyez pas que. Aujourd'hui, il faut en amont changer ce qui est inscrit dans la loi des finances 2024 parce que Kamerhe a dit la loi ne s'échange pas par rapport par des paroles mais par la réalité car la réalité se traduit par la modification de la loi des finances telle qu'inscrite selon la loi. Votre analyse. Oui, je ne partage pas, j'insiste par rapport à l'angle que Gendjoli a pris. Quand il a parlé. Il a fallu commencer d'abord par répondre à la question. Je vais et puis citer. Peut-être le tout. Chacun a sa manière peut-être d'aborder le sujet. Très bien. Sinon, ça risque de m'échapper. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes à la télévision, c'est à nous de donner une formation. Il a parlé de la loi d'habilitation. Il faut dire à l'opinion aussi, c'est une loi qui consacre. Le pouvoir législatif confère son rôle à l'exécutif pendant qu'il est absent. C'est-à-dire que pendant ses vacances ici, oui. Le gouvernement peut prendre... De jouer ce même rôle oui. À son absence. Ça, j'ai entendu Pompo dire ici il y a une dose de l'autocratie ou de dictature un peu. Je ne partage pas. Pour avoir assisté à toutes les pénuries de Capital Kamerhe, c'est plus la démocratie au vrai sens du mot. Oui. J'ai vu des députés qui ont réussi à arracher la parole alors que Capital Kamerhe était contre. Ça circule dans nos téléphones. Donc là, je ne partage pas. Nous sommes témoins et aujourd'hui, les choses se font d'une manière un peu ouverte où tout le monde suit l'information au même moment que toi, les journalistes. Donc nous avons cette difficulté de venir commenter autrement par rapport à ce qui se passe, parce que les images en parlent plus. C'est la plénière qui est souveraine. Hein, pour ceux qui ne savent peut-être pas les organes qui régissent l'Assemblée nationale. C'est la plénière qui est souveraine. Si la plénière constate qu'il y a l'autocratie,
dans le chef de Vital Kamerhe, je pense que la plénière peut prendre déjà des dispositions. Très bien. Donc non. Chitons parce qu'on court derrière les temps. Non, c'est-à-dire que nous réalisons. Le problème, c'est quoi? C'est que. Donner le temps au temps. Oui. Hein, il y a beaucoup de sujets. La loi d'habilitation en question, c'est quoi? Vous pensez vraiment que la majorité écrasante qui a voté le programme Soumino serait contre cette loi d'habilitation? Pas du tout. Il y a des histoires qui deviennent un peu inutiles. Hein? Pourquoi aborder encore un tel sujet? Je me rappelle. C'est grave, vous avez relevé Kamboso, des choses que nous n'avons pas vues. Oui. Pour savoir peut-être la hauteur des émoluments du député Soumboso, on ne l'a pas vu. Oui. C'est une première, ça. Il faut avoir son courage de faire ce que Kamerhe a fait. Mais seulement, je dis que même si je ne partage pas totalement encore, l'État va mieux nous juger un peu par rapport à tout ce que nous avons fait. Nous avons, quelques députés qui nous sont aussi familiers. Hein. Nous pouvons aussi avoir, j'ai parlé de 7256. C'est un député à l'époque qui était Martin Fayoulou. Donc, donnons le temps au temps. La touche Kamerhe n'est pas vraiment à démontrer encore. Je crois, avec tout ce qu'il a connu comme expérience, il devient encore plus assagi, hein, et que c'est à l'exécutif de se préparer, hein, lors du contrôle parlementaire. Nous aurons des résultats, hein, parce que c'est plus l'aboutissement, c'est plus le social de la population. Oui. Hein, dont nous faisons partie. C'est plus le social. Donc, si l'Assemblée nationale demeure complice de l'exécutif, donc en réalité, ce n'est que déjà vu, et déjà nous avons des dirigeants qui ne sont pas conscients. Oui. Mais voilà, on peut donner le temps au temps, on verra qu'est-ce que la législature présente. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour parler cette fois-ci de la commission mise en place pour statuer sur les réquisitoires du procureur en ce qui concerne la poursuite judiciaire contre le ministre des Finances. Nicolas Kazadi, faudra-t-il admettre aujourd'hui que désormais, avec la conclusion de cette commission, Nicolas Kazadi est éligible pour Makala? C'est un fait vert de l'Assemblée nationale. Comprends-je dis. Ok, merci Eddy. C'est un test très significatif. Oui. Et puis, VK a fait des signes positifs. Là, je le dirai. Moi, je suis rationnel. Oui. Là, au moins, vous êtes rationnel. Oui, on a vécu avec... Pas par rapport au débat, par rapport à la plénière. Oui. On a vécu avec Papa Mbosso. Oui. Vous avez vu dans les règlements intérieurs qui stipulent que le plénière devrait commencer à 10h. Oui. On n'a réussi aucun communiqué que la plénière commence à 10h. S'il nous balance le communiqué que la plénière commence à 11h, lui, il se pointe à 17h pour commencer avec des esquisses. Qui était comme une culture. Avec VK, c'est le respect avec de l'air. Avec VK, quand il vous dit 12h, à 12h, oui. Il est là. 12 la conscience, on appelle ça. Ça, c'est la conscience. On ne peut penser jamais faut le dire développement. Quand même. On peut penser jamais développement, oui. Sans intérioriser la notion des temps. Là, chapeau bas. Deuxième élément positif de VK, c'est ça. Cette commission qui devrait tabler sur la question des lampadaires avec le ministère des Finances. Vous savez, le ministère des Finances, c'est comme un bras séculaire d'un président. L'argentier de la République. C'est l'argentier de la République. C'est la personne de confiance d'un président. Oui. Quand j'ai vu la commission, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que VK veut nous dire? Parce qu'en réalité, en principe de séparation du pouvoir, l'Assemblée nationale ou les parlements, c'est un pouvoir qui contrôle d'autres pouvoirs. C'est-à-dire que, vous savez, même Dieu a créé l'homme, il a doté à l'homme la conscience. C'est-à-dire c'est un acte qui dicte les bien et les mal. Et dans un système, lorsque vous enlevez les mécanismes de contrôle, il ne faut même pas penser à la démocratie, à la bonne gouvernance, au développement. Donc, voir le nouveau speaker avec ces paradigmes-là, où il a convoqué, il a créé une commission pour établir la question du ministre des Finances, j'ai dit, cette fois-ci, nous aurions une Assemblée nationale, non comme une caisse de résonance. Parce que vous savez, la troisième législature, on n'a même pas senti un contrôle. Parce que l'Assemblée nationale, au-delà de la légifération, le vrai travail que devrait faire l'Assemblée nationale, c'est le contrôle. Oui. Parce que l'initiative des lois, le gouvernement vient aussi avec la loi. Le gouvernement vient aussi avec le projet de loi.
Le gouvernement vient aussi avec un projet de loi, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y a un projet de loi, il y a une proposition de loi. Oui. Mais la démarcation, c'est au niveau de contrôle, n'est-ce pas? C'est au niveau de contrôle. J'ai parlé ici de l'apport de la population oui. ou du peuple. Qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple joue un très grand rôle. C'est son argent, n'est-ce pas? Donc, au nom de la redevabilité, on a vraiment besoin de comprendre tout ce qui se passe au niveau de notre finance publique. Donc. Oui. Donc, voilà, voilà ce que je pourrais dire, c'est ça. Je reviens à vous, Gérard Lema. Le fait pour le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Vital Kamerhe, de permettre de poursuite contre Nicolas Kazadi, vous ne voyez pas que, quelque part, c'est parce que Nicolas Kazadi, à un moment donné, il était témoin à charge de Vital Kamerhe lors de son procès des 100 jours. Gérard Lema. Je regarde les tableaux dans l'ensemble. Oui. Hier, lundi, Constant Moutamba, ministre de la Justice, a ouvert ses audiences l'inspecteur général des finances, dont Jules Alinghetti. C'est un message, nous l'avons vu lors des remises et reprises venir avec son berger allemand. Les gens ont peut-être mal capté les signes ou les gestes. Je me suis dit que c'était une manière d'annoncer des sanctions. Et qu'est-ce qui était sorti peut-être de leurs entretiens? Constant Moutamba a demandé, l'excellence Constant Moutamba a demandé à l'IGF de lui donner les rapports de tous les audits dans différentes entreprises qu'il a fait pendant 3 ans. Donc il y a ce qu'on appelle en droit la rétroactivité. Oui. Donc, c'est quand même un signe fort. Et je me suis dit, Moutamba doit avoir une émission. Et ce n'est pas avec le chef de l'État l'ami là-bas. Hein, c'est un jeune, oui, mais puisque je le connais, il est de nature un peu solitaire. Oui. Hein? C'est surtout quand on a trop d'amis qu'il y a eu il y a des complaisances. C'est quand même un signe. Et je suis sûr qu'il risque d'être la révélation de ces deuxième mandat de chef. Répondez à la question maintenant. Voilà, non, non, c'est lié. Ouais, c'est lié. Nous sommes déjà la justice, non oui. C'est lié. Vous parlez de la levée d'immunité de Nicolas Kazadi. Il y a eu 2 huis clos. Tout le monde nous sommes parlé, mais il y a eu déjà 2 huis clos sur la question hein, de la levée d'immunité. L'opinion, même s'il ne le dit pas à chaque fois, il attend l'aboutissement de ces dossiers. Ça choque ce que nous avons vu ici. Ici encore, on doit rappeler, on doit saluer le courage d'Israël Mutombo, qui pouvait peut-être aussi monnayer cette information. Oui. Et c'est par lui qu'il a eu son courage de dénoncer. Mais seulement, il y a des dimensions. Mais vous ne voyez pas qu'il y ait quelques dérapages parce qu'il a eu à avoir des sanctions c'est, de la part c'est là que, de l'INPC, mais également du Conseil. C'est là que la presse est devenue complice. Oui. C'est là que la presse est devenue complice. Quand un ami ou un confrère prend son courage de dénoncer ce qui est détournement, nous-mêmes, la presse, nous sommes les premiers à dire qu'il y a eu des dérapages. Pire encore, je ne sais pas vrai ou faux, il y a une partie ou des dissidents de l'UNPC qui ont fait la déclaration pour dire qu'ils ont sanctionné Israël Mutombo. Donc la presse est aussi complice de ce que la société subisse comme étant misère. Donc je reviens un peu par rapport au dossier Kazadi. Je reviens pour dire ceci. Donc nous aurons à assister, oui, ou à un procès que l'opinion attend. Oui. Mais on doit avoir aussi l'équilibre et le sens de la mesure. J'ai eu personnellement à suivre, je crois, le patron de cette entreprise, sur Top Congo, qui l'a donné. Et aujourd'hui, j'ai vu sur bon nombre des acteurs de la ville, il y a les résultats de cette lampadaire-là. Du côté de, c'est pas Maman Mobutu, Ilingué, ça est un peu partout là. J'ai entendu ce qu'il a donné comme réponse, la qualité hein, de ces lampadaires. Mais la question des surfacturations. La surfacturation le n'est pas de lui. La surfacturation pour... n'est pas de lui. Donc, c'est plus sur la justice lors du procès. Nous aurons à assister de certaines révélations. Et surtout qu'il a manifesté la volonté de collaborer avec la justice. Donc, on verra un peu peut-être qu'est-ce que va nous réserver un peu. Très bien.
En fait, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, puisqu'on est invité par l'État. On allait aborder cette question hein, qui défraie la chronique en ce moment, c'est la mort des mamans Marcelo Tounassi, qui a été enterré hier au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Mais il y a des attaques hein, de partout à l'endroit du pasteur Marcelo. Mais malheureusement, on allait aborder la question. Mais de nous montrer une fessine que nous sommes vraiment à la fin. Sujet où et surtout c'était important de dire un mot. Bon, surtout qu'il est tout le temps en retard. Mais on se retrouve quand même prochainement avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.